Mesdames et messieurs, bien le bonjour, bienvenue à Old Trafford pour suivre ce match entre Manchester United et l'équipe nationale japonaise. Shibasaki, la remise en jeu avec Koki Anzai avec Kagawa, Nakajima, Minamino, Takashi Inui qui va essayer de passer peut-être, ah il est repris. C'est bien repris par De Gea alors que, oh là là, la mauvaise relance ici avec Takashi Inui, oh la reprise de volée. Et l'ouverture du score pour l'équipe nationale japonaise, elle est signée Takashi Inui. Quelle reprise de volée, la sanction immédiate. Ah, on craint cette équipe japonaise, hein. Il faut dire que là, la reprise de volée de Takashi Inui a un petit peu mis les points sur les i. Il était là l'année dernière, toujours présent. Alors du côté des remplaçants, on saluera Eiji Kawashima, hein, qui a donc pris sa retraite. Ah, la voici, la latence en haut à droite, magnifique. Ah, la latence de PES, qu'est-ce qu'on ferait sans elle, mine de rien, avec, oh là là, ici, oh, le beau jeu peut-être avec, le deuxième but, il est signé Takashi Inui encore! Avec une lourdeur sans précédent, vraiment, dans les contrôles, ah, c'est abominable, si vous saviez à quel point c'est dégueulasse cette connexion, à quel point c'est absolument injouable, à quel point c'est atroce, les mots me manquent, n'hésitez pas à les signaler dans les commentaires. Que pensez-vous de la latence? Quel est le mot pour décrire la latence dans PES? J'ai eu quelques déjà suggestions là qui m'a dit ras des goûts. Oh, rats. D'autres qui m'a dit des sables mouvants. Mais vous vous enfoncez sans réagir? Et si je réagis, je m'enfonce encore plus, c'est bien connu. Faut pas se débattre dans les sables mouvants. Ou encore l'autre, j'ai beaucoup aimé celui, le choléra. Voilà, le choléra, c'est ce qui définira apparemment bien la latence en PES. Nakamura, qui est donc, je parlais tout à l'heure de Kawashima, qui donc nous envoyait un message hein, depuis son restaurant. Il a ouvert un restaurant japonais du côté de Bastille, avec ici Manchester United qui va essayer de repartir à l'attaque. Ça va probablement se siffler. Attention, la dernière contre-attaque peut-être pour Manchester United. C'est la dernière occasion avant la mi-temps. Les Japonais qui vont essayer de défendre sur ce ballon. Attention, Juan Mata qui arrive à passer le ballon, on ne sait pas comment, il a pas parade énorme. Voilà Nakamura, voilà pourquoi Kawashima fait des sushis du côté de Bastille. Who wants to be king? Et c'est le coup d'envoi de la seconde période avec qui on a pu le voir rapidement. La belle latence qui elle est toujours au rendez-vous. Ça s'accroche du côté de Manchester, on étouffe déjà. Ça fait même pas 5 minutes de jeu en deuxième période qu'on essaie de trouver des solutions, d'aller vite vers l'avant, de faire jouer le physique. Mais voilà, les Japonais sont là. Shibasaki, encore une fois, les Japonais avec la latence à l'attaque. Avec Minamino qui peut jouer avec Shibasaki qui laisse filer. Shibasaki qui a pu voir là, le départ de Nakajima avec... Oh là 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 là, le 3-0. C'est inadmissible et inacceptable. Un joueur particulièrement dangereux alors que je viens de recevoir un flash info là justement. Ah bah voilà, justement Kawashima qui offre apparemment moins 30% sur son restaurant japonais à Paris avec ce troisième but. Tomiyasu avec Muroya. Muroya qui va essayer d'accélérer. Muroya. Et la pointe d'accélération de Muroya et à dormir debout avec Nakajima. Nakajima avec Kamada, peut-être un gros frappe. Oh là là, la parade. Justement, le nouvel entrant, Kamada, qui a remplacé Minamino tout à l'heure. Il y a eu changement. On n'arrive pas à se trouver. Les Japonais peuvent repartir avec Nakajima, avec Kamada. Kamada qui va accélérer. Kamada qui... Oh là, il est passé avec le petit râteau. Kamada face à la surface de réparation. Oh là, il est encore passé, c'est pas possible. Et Kamada, oh, on sait plus comment défendre encore du côté de Manchester United. Et c'est le 4 buts à 0. C'est inadmissible et inacceptable. Il a tout simplement joué sur les nerfs de la défense, voilà, il a fait monter la pression un petit peu comme quand vous faites une petite recette, là vous faites bouillir les pâtes, vous attendez un petit peu, voilà, ça commence à bouillir, ça monte, et puis hop là, vous versez les pâtes dans le tout. Alors attention le coup franc avec Marcus Rashford, là, alors qu'on entend les supporters japonais, hein. Il y a de quoi chanter dans les tribunes. Alors que, oh là là, la parade, oh le sauvetage sur la ligne énorme de Mourinho, alors qu'on se loupe totalement, et quel loupé du côté de Manchester avec le retour acrobatique et qui est encore une fois devant la surface de réparation japonaise, on essaie de tirer, voilà, c'est dévié, quelle défense courageuse, alors que, oh là là, il a du mal à attraper le ballon de Nakamura, c'est compliqué, alors que justement, je vous disais, en fait, les supporters japonais qu'on a pu entendre tout à l'heure, c'est tout simplement parce qu'il y a moins 40% désormais du côté de Bastille au restaurant japonais. De Kawashima, quatrième but, dit forcément moins 40, alors peut-être, oh là là, peut-être à moins 50% bientôt ici avec la pointe de frappe de Kamada. Kamada qui, oh là 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 là, Kamada on l'arrête plus. Et 5 buts à 0 pour le Japon. Inacceptable.
Allez, Kawashima qui a bien confirmé du coup les moins 50. Il reste quand même 4 minutes dans le temps additionnel. Hein. Si on arrive à moins 60, je vous avouerai que je vous abandonnerai de suite. Pour aller me remplir la panse un peu là, avec Kamada peut-être pour Usami. Usami qui va essayer de passer, c'est bien joué avec Inui qui décale. Ah, la mauvaise relance du côté d'Inui, c'est dommage. On n'aura probablement pas assez de moins 60% sur vos menus. Sashimi, sushi, c'est valable aussi apparemment sur les brochettes. Alors du coup, voilà, Shibasaki, Kamada, avec Kamada. Alors, bah, qu'est-ce qui se passe? Ah, un coup franc! Ah, le coup franc de la chance! Le coup franc des moins 60%! Le coup franc à ne pas manquer pour avoir ces moins 60% de réduction! Attention avec Takashi Inui! Takashi Inui qui va se concentrer! Tout le stade retient son souffle avec la frappe! Oh, ça passe au-dessus! Il n'y aura donc pas de moins 60%! Ça sera seulement moins 50! L'addition est salée! Mais les sushis seront absolument savoureux! Quant à moi! Je vais aller commencer un petit peu à aller taper dans ces sushis. Je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de la Larry qui est d'ici là, comme toujours, portez-vous bien! Salut mon pote!